Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 4 de Parle World. Donc dans cet épisode, on a quelques objectifs à atteindre. Donc les objectifs sont un peu pas les mêmes que la partie, enfin l'épisode précédent. Parce que l'épisode précédent, on n'a pas réussi déjà à atteindre l'objectif de la tortue. Donc, à savoir que la tortue n'a toujours pas été pour essayer de la retam. Mais on a plusieurs petites infos qui pourraient vous intéresser. Concernant le ranch où on fait les accouplements. Donc, apparemment, si on mélange certaines espèces, donc certaines espèces de pâles, ça peut donner des pâles en question. Un peu, on va dire, je crois que je sais pas s'il spawn sur la map ou pas. J'ai pas totalement toutes les informations, mais on va avec Serenity juste après voir les pâles qui spawnent du coup ou qui spawnent pas, et si c'est des pâles un peu type que tu ne peux pas avoir dans la nature. Hormis ça, pour l'épisode. Donc là, on a un épisode assez chargé qui nous attend. Le but, ça va être de charbonner. Tout ce qui est boss, un peu dans à droite à gauche, donc on n'a pas un haut level, hein. On est 23. Mais ça veut rien dire parce qu'encore prouvé que Cyanity tout à l'heure, il a réussi à avoir un pal au level 35 ou 40, je crois. Donc pour nous la tortue, du coup, c'était pas de bol, on n'a pas eu de chance pour l'avoir la tortue, mais bon, c'est pas très grave. On retentera notre chance. Mais lui, il était level 20, il a réussi à avoir un pal qu'on va aller chercher juste après. Donc nous, entre-temps, ça on l'avait fait. Celui-là, on l'avait fait hors vidéo, il me semble. De toute façon, c'était les boss un peu de base. Peut-être qu'on ira faire celui-là après qu'on a été chercher celui de Serenity. Et j'aimerais bien me faire celui-là aussi parce qu'il est grave stylé, mais le problème c'est que level 30, c'est assez énervé quand même, hein. Après, il y a celle-là, mais ça c'est un donjon, on pourra le faire avec Serré. Enfin, de toute façon, on va faire une grande partie enfin, on va faire une grande partie des boss, parce que dire qu'on va tous les faire, ça serait du mensonge, mais on va les farmer, quoi. On va en avoir au moins 3-4 3-4 dans la vidéo minimum. Voilà, ça sera déjà une bonne vidéo. Et peut-être même, pourquoi pas, se faire un ou deux donjons. On verra par la suite. La base n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, parce qu'on s'est concentré sur la recréation de gigasphères, faire du métal. Ici, d'ailleurs, j'ai mon fusil à mousquet. Une arme ultra cheatée, qui fait énormément de dégâts. Donc, on verra sur un boss ce que ça va donner, du coup. Tac. Je cherche les coffres adéquats. Et bah, du coup, de toute façon, on se retrouve avec Serenity. On se prépare à partir au front. Et on se retrouve tout de suite. T'as les trois fois le même là? Ouais. Ah, zette. Vas-y, bah, let's go, on part à l'assaut. Attends 2 secondes. Normalement. J'ai amélioré, d'ailleurs j'avais dit. Je mets juste mes trois Vas-y, derniers vas-y. incubateurs. C'est fou parce que je suis quand même level 5 en puissance, tu sais, pour tamer les pales. Ouais. Et la torture, on ne l'a pas eu. Hein. J'avoue qu'elle me reste en travers de la gorge, la torture. Je vais pas faire le mec. La tortue, gros, on aurait eu plus de des sueurs jaunes ou vertes, gros, on l'aurait eu, tu vois. Ouais, mais là, elle m'a mis dans le mal. Bah, après. Je suis quand même level 4, tu vois, en timing, toi. Ouais, donc, ouais, en plus, on n'était pas non plus des levels de PD. Ok, donc là, il continue à farmer ça. Non, Parfait. non, non, comment pas. Est-ce que j'ai une voix vive ou pas? Non, je crois pas. Moi, j'y vais à pattes. Enfin, j'y vais à pattes. J'y vais sans monture. Hein. Juste en TP. Ah ouais? Si t'es chaud, j'aimerais bien qu'on commence par Bushy en bas. On regarde où je me suis TP. Je sais pas si tu peux te TP là-bas, toi. Alors, à savoir que Bushy, faut faire gaffe parce que il a une attaque qui. Si t'as pas de bouclier, t'es one shot. Voilà, C'est drôle tout ça.
Je te le dis. Oh, le mousquet, gros. Ferme ta gueule, toi. Quand je vous dis que le mousquet, il était énervé, hein. Du coup, tu l'as, le téléporteur? De quel trou? À gauche, là, notre base de fer. J'en ai un à côté, mais pas celui-là, tu vois. Ouais, t'es à l'entrée du ravin, toi. Non, 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 à l'église. Église désaffectée? Je sais plus c'est quoi le nom, mais église, tu sais trop quoi, toi. Ah ouais, d'accord, oui, t'es de l'autre côté. Bah après, ils t'ont dit. T'as ton dino volant, là? Ouais. Bon, ça devrait être rapide, alors, à mon genre. Bah pourquoi je l'ai pris, tu vois. Oui. Regarde. T'es là, un marine. Bah les amis, on va commencer les donjons accélérés. Et ce qu'on va faire, c'est que à chaque donjon, ça partira sur un petit accéléré. Et on vous fera un petit condensé de tous les. Tu vois la technique qu'il vient de faire?
où les abeilles, il y en a. Donc, les amis, comme vous avez pu le voir dans les séquences précédentes. Voilà, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai fait même une très belle connerie. Calmez-vous là-bas. Tac. Qu'est-ce que t'as fait ? Bon, oh, j'ai attaqué un truc alors que j'étais encore dans la base. Mais bon, c'est pas grave. Ils vont retourner tous au travail tranquillement. Bien gentiment. Tac. Est-ce que nos œufs sont prêts du coup ? Attends, mais what ? Pourquoi il y a deux œufs là ? Ils ont fait deux gros œufs avec. Il reste un gâteau. Ok, donc on a pas mal de choses à faire du coup à la base, le temps que on s'est barré, je pense qu'il y a nos œufs qui sont. Qu'ils ont éclos. Juste que j'aille tam un chillax du coup. Un chillax pour. Pour avoir une femelle. Ah oui, oui, bah oui, forcément. Tac, alors juste. Hop, je mets ça là-dedans. On va améliorer la base là les amis. On a prévu. T'as vu que t'avais un de tes œufs qui était fini gros? Ou alors c'était le mien ou le tien? Non, j'ai pris les deux miens gros. Ceux-là, bah tu les prends ou alors. Il m'en reste encore un dans. Attends, moi j'en ai. Dans la chambre, tu vois. J'en ai aussi dans la chambre. Bah du coup, je vais prendre tous les incubateurs. Bon bah les 4 en dessous, les 4 c'est les miens. Et du coup normalement j'ai encore un œuf ici dans 2 minutes 40. Bon, je reviendrai dans 2 minutes 40. Peut-être enlever les licornes ou c'est les. De quoi? Ah non, c'est fait exprès de les laisser gros. Ok. Je vais monter mes pales à très très haut. Donc bah comme vous voyez, on a eu quelques petites, mais vraiment très très peu de captures de pales de boss. C'est faux, on a eu vraiment beaucoup. Donc à savoir que. Tac, celle-là, je vais voir pour la garder dans mon deck. J'en ai une. Pourquoi ? Du coup, attends, parce que j'ai la Wyvern, elle a fait du 397. Je sais pas, en fait, entre garder le ténèbre, parce qu'elles sont tous les deux ténèbres et feu. Donc, en fait, je pense que je vais garder la Wyvern, du coup. Même si elle est level 27. Donc, en plus, elle est level 27 et elle fait moins de dégâts que la Wyvern. Donc, enfin, que la Elzephyr. Donc, je vais garder la Elzephyr à la place de la sortir. Parce qu'il faut que je remanie mon deck, j'ai un gros problème. Là, tu vois, j'ai feu. Là, il me faudrait, en fait, un. Par exemple, celui-là il va partir et je vais mettre celle-ci parce que comme on peut le voir dans ses attaques, elle a terre, électrique et glace et a fait du 316 de dégâts, ce qui est quand même pas mal malgré que lui il en fait un peu plus, mais après lui il est plus HL, donc en vrai c'est pas grave. Après il a l'enrichissement des pales, des trucs dans le genre qui vont faire que on peut renforcer aussi les pales avec la statue ici, donc en vrai. C'est pas très grave. Lui, je pense que ça va être un de mes mains. Elle aussi. Le truc, c'est que PV, on va améliorer ça. On va mettre un en chaque, à part la vitesse de travail, du coup, vu qu'il travaille pas. Mais du coup. Tac. On va augmenter celle-là. Parce qu'on a, on l'a battu, comme vous avez pu le voir, dans le rec. On a eu quelques petits problèmes. Et elle était. Pour moi, c'est la plus coriace qu'on ait faite jusqu'à maintenant, quoi. Parce qu'avant, honnêtement, c'était pas. Ils étaient coriaces, mais pas de ouf. Du coup, tac. Lui, on va l'améliorer aussi un peu. Donc là on va améliorer une petite partie de tout, c'est bien monsieur. Attends, parce que lui il a attends, tac tac, c'est mon loop moon d'abord que je voulais améliorer d'ailleurs, parce que lui il est énervé le loop moon, hein. Quand on voit de base il a 396 de dégâts, tu dis ah ouais, le frérot il pèse dans le game. Tac.
J'espère que c'est les sphères que j'avais sur moi que ça prend pas dans le. Ça prend au total, en haut général, tu vois. Ça prend dans les coffres? Ouais. Ah. Bah je suis désolé les potes, je viens de niquer toutes les sphères bleues. Oupsi. Faudra voir comment on peut en avoir. Si on Il peut faut avoir un tuer, pal. il faut tuer des pales, gros, pour les choper. Il y a que ça à faire. T'en as pas qui peut en drop? Non. Ah, c'est dommage. Non, non, faut tuer. Tac. Donc oui, attendez, je voulais vous faire voir un peu, du coup, là, pendant cette session de farm de boss, donc on a fait Petalia ici, donc c'est Serenis qui l'a eu, on a fait Bushi, c'est toi ou moi qui l'a eu? Moi? Non, 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 Bushi, non, non, moi, je suis plus Bushi, non, s'il vous c'est... plaît. Non, ouais, c'est moi qui l'ai, le Bushi. Donc, Univol, du coup, on l'a en deux fois. Je l'ai, c'est une petite là. Gumos, moi je l'avais. Lunaris, c'est celle que je dis, je l'ai. Le bon chéri, je l'avais déjà, donc c'est Serenity qui l'a. Le Relaxerus, c'est Serenity. On a essayé de se faire le Jormontid, donc un espèce de dragon des mers. Il nous a arraché le fiac, hein. Vraiment, on était ses putes. Le Kievern, c'est Serenity qui l'a, mais moi j'y retournais pour le prendre plus tard. Le Varesk. Waresk, je crois que c'est comme ça s'appelle. C'est moi qui l'ai. Et du coup, bon, on s'est déjà fait une bonne session de boss. Boss errant. Après, il y a le moment reste, level 38. On va éviter. Parce que déjà que le level 45, il nous a pété le cul. En vrai, level 35, 38, le moment reste, bientôt. Hein. On s'est tapé des level 32. Le max, c'est 32 qu'on a fait, ouais. Donc en vrai, le Mamores bientôt disponible dans les bacs. Soon, comme on dit. Soon. Je viens de cramer. À l'aide. C'est pas grave. Torche humaine. Du coup, ouais, on manque de blé. Ah, ça y est, ils ont fait un peu de blé. Tac. Arrosage. Du coup, j'ai... Ah si, j'ai lui qui peut faire arrosage. Allez, travaille. C'est un T3 en plus, c'est parfait. Après, du coup... Oh, de la farine. Tac. Hop. Du coup, oui, ce que je voulais dire. Là, on va du coup, on va améliorer notre camp. Encore un petit peu. On a 2-3 trucs à faire. Toc, 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 toc. Donc déjà, attends ça. Ça. On peut en faire qu'un. Ah ouais, ça demande... Oh, le blé, il va falloir qu'on en fasse, gros. En grande quantité. C'est ce que je te dis, gros. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça va être le blé, là. Ah ouais, non, mais là, ouais. La principale difficulté d'avoir des gâteaux, c'est le blé, gros. Soit on en fait... mais à mort, tu vois. Ou alors on va galérer encore et encore et encore. Bah ouais, il va falloir augmenter la production de blé. En plus, on a des T3, donc ils sont largement... Ils sont largement capables de s'en occuper. Donc tac, ça c'est normal que j'ai que des licornes dans les œufs de feu. C'est notre production, ça. Du coup, attends, je voulais juste regarder. Non, c'est V. Lit pour poil moelleux. Ouais, en fait, faut juste faire des lits de poil moelleux là. Et on sera bon. Il manque des clous. Je vais. J'ai failli me cramer encore. Est-ce que t'as un pal de feu là qui est disponible? Yep. Ce que pour mettre sur le. Le gâteau. Sur le gâteau, et moi je vais mettre sur le. Le feu de camp du coup. Celui-là, s'il te plaît. Voilà, tu travailles un peu. Ce serait très gentil de ta part. Tac. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer tout pour craft les lits. Tac.
Donc, de toute façon, on peut en faire qu'une dizaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est de toute façon, on va faire les crafts des lits et on reviendra pour les reposer, pour les poser ensemble. Tac. Donc, les amis, enfin, on a fini. Donc, enfin, on a fini. De quoi préparer, bien entendu, les lits. Ça, je trouve ça dommage qu'on puisse pas coller les. Bah, nique sa mère, on va le mettre ici. Allez, petit pote, faut m'aider là. Hein. 40 secondes. Là, en plus, ça veut dire qu'on va pouvoir... Mais après, attends, on est à combien? On est à 13. On va voir combien ça nous rapporte un lit. Ah, d'accord, c'est... Un lit moelleux, c'est un... juste un... Ah, ouais... Pas foufou, je pensais que ça rapportait... Bon après c'est logique qu'ils peuvent pas se mettre à 50 là-dessus, mais... j'aurais pensé au moins que ça nous rapportait... Ben moi level 25 du coup... Du coup je débloque en plus aussi l'eau... Et on va faire un parterre, mais le parterre, est-ce que t'as réussi à choper des fleurs, c'est vrai? Parce qu'il nous manque juste des fleurs. Hein. D'ailleurs, dans les coffres, il doit en avoir, non? Bah, non, pas assez, c'est pour ça que je te dis ça. Je sais qu'en tuant des pales, je peux en récupérer. Bah, tu vois où on peut tamer les abeilles? Ouais. Et bah, c'est là-bas. Je vais faire 10 de ciment. Bah, même pas. Ok. Ah, si, ça fait 70. Wouah, le time que ça va mettre. Ouais, mais du coup, je l'ai plus pour Tam. Est-ce qu'elle est forte, elle en... Non, elle est nulle à chier, en fait. Ouais, tu vas m'aider, mon garçon. Tac. Donc, de toute façon, les amis, cet épisode va être un peu plus court, du coup, vu qu'on va mettre un petit accéléré quand on aura fait tous les boss. Donc cet épisode va malheureusement durer un peu moins d'une heure normalement. Après, je vais laisser faire ça. Moi je vais m'occuper d'autre chose. Ok. Toi Cerise, si tu peux t'occuper des fleurs. Je vais m'occuper de faire un silo du coup. Tac. Après là c'est dommage que ça bug à ce niveau-là. Parce que en fait le rôle je voulais me mettre là. Mais ça buguait parce que t'as. Genre c'est un peu gondolé, genre je sais pas. Ça voulait pas. Tac, hop, on va mettre là. Ah, même en faisant ça, ok, il y a du textile. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les cochons au travail, parce qu'en vrai... En vrai de vrai... Pour l'instant, ça sert à rien d'avoir les... Vu qu'on a plus trop de stock... Attends, mais il me semblait avoir des... voilà, au moins un là. Donc lui, c'est le principal. Attends, lui, il est quoi? Vitesse de travail, 70-70. Allez, au travail, messieurs. J'ai combien de... J'en ai... Tac, 3. J'en ai 4, plus la mienne, ça fait 5. Mais du coup, faudrait que je garde un mal... Un mal si possible pour faire de la repro encore une fois. Putain, les wyverns, pareil, j'en ai une bonne quantité. Hein. Tac.
Tac. Hop. Ça aussi, ça va venir là. J'essaie de ranger un peu ma boîte, pas vous mentir, parce que c'est le zbeul de fou. T'as réussi à ramener des fleurs? Non, je vais y aller, je vais y aller. C'est vers où la zone des abeilles? C'est à droite là de chez nous. En haut à droite de chez nous. Vers le 4-13, non? Ouais, un peu plus au-dessus, à droite du 4-13. C'est les forêts aux pandas. Vers Grintalé, du coup? Ouais, forêt aux pandas, c'est tout ce que j'ai comme là-bas, comme truc. Du coup, ouais, parce que eux là-bas, ils vont retravailler. Ouais, je vais aller je vais me TP là, puis j'irai en volant, quoi. Ouais, attends, de toute façon, j'avais dit que je pouvais. Il faut autant de textiles que ça. Après, au pire des cas, si vraiment ça casse le couille, je vais construire un. Attends, mais je crois qu'en plus, on a déjà un truc là. Mais lui, il est déjà blindax. De fou furieux. Tac. Tac. On avait dit une centaine de textiles. Donc, ouais, on va même ici, on va en manquer. Bah, tu ressors les moutons. Non, mais textile, c'est le. C'est pas c'est pas de la laine, genre c'est un. Ah, bah, ah, non, mais Non, mais je vais utiliser tu le fais ça broyat. avec le broyeur, voilà. Je vais utiliser le broyat, c'est ce que j'allais dire, mais. Tac. Je vais rentrer à la base du coup. Hop, le broyeur. Textile. Peut-être pas abusé non plus. Des 1200 textiles de bois. On va peut-être abuser, pas abuser non plus. On va en faire 1000. Tac. Sauf que là, normalement, il n'y a personne qui peut s'en occuper. Si lui, mais lui, je sais pas ce qu'il branle là. Vraiment, travaille toi. Hein. Fais un truc, mon ref. Nice. En plus, ça va vite avec un T3. C'est. Je. Gros, moi, je. T3, c'est la vie, hein. Je vous le dis tous, hein. Tous présents ici. Là, en 2-3 temps de mouvement, je vais pouvoir faire du coup de silo. Le silo qui, je crois, accélère l'agriculture. Si je me rappelle bien de ce que j'ai lu tout à l'heure. Ouais, un seul pour accroître la vitesse. Voilà, c'est ça. Pour la semence, les trucs dans le genre. Donc, que du bénéf. Ce que j'étais en train de me dire, c'est est-ce que si je le mets. Putain, il manque juste de la pierre. Genre, on n'a pas de pierre là-dedans, là. Bon, on en a 22 là. Il manque un peu de pierre, allez. Bon, le silo, on va l'avoir. Après, est-ce qu'on aura de les terrains de fleurs comme je veux faire pour. Parce qu'en fait, le but c'est de mettre des améliorations, bien entendu, pour tous les pales. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la fontaine pour les eaux. Il y a la marmite, là-bas ils appellent ça une marmite pour le feu. Là, il va y avoir le silo pour la plantation. Il y a la... Oui. Merde, la boîte à outils. Il y a la boîte à outils.
qui améliore la prod. Oh, 6 minutes 40 pour le crafter le silo. Et en plus, il n'y a aucun pal qui vient m'aider, les gars, s'il vous plaît. Venez. Quelle bande de rats. Putain. Ouais, de toute façon, ouais, je pense qu'on finira sur l'obtention du silo. Hein. Tac. L'obtention du silo, et si les œufs sont prêts, peut-être une éclosion. Tac. Donc les amis, il reste 12 secondes avant qu'on ait le silo. Donc c'est une grosse construction, je crois que c'est la première qui prend autant de temps. On n'a jamais vu une construire au-dessus de 7 minutes, comme celle-là. Même une construire même avant, d'ailleurs, je n'en ai pas vu avant. Mais là, du coup, c'est bien parce que ça va les aider à fond. Du coup, tac, attends, je ramasse juste ça. Et du coup, ça annonce aussi, malheureusement, la fin de l'épisode. Donc, une petite série qui est durée à 4e, on est déjà au 4e épisode. Ce qui est quand même pas mal. En termes de. Et encore, on n'a même pas fait. Bon, on a quand même atteint bien la moitié, mais. On va dire, il y a encore énormément de choses à voir. Hein. On est à level 25. On est à la moitié, on va dire, des levels. Donc, ouais, on va dire. Je sais même pas si on pourrait dire qu'on a la moitié de la série. Parce qu'en vrai, il y a plein de choses à voir encore. Il y a toute cette zone à découvrir, je sais pas s'il y a des trucs là, mais à voir en fait, là après il y a tout ça à découvrir, même si on l'a vu que sur une grande longueur c'était un désert, il y a la neige, donc il y a encore quelques trucs à découvrir, je sais qu'il y a une espèce de ligue de pales, donc à voir, après à savoir que dès qu'on a fait la tour du syndicat, il y a d'autres tours à voir, donc on mettra tout ça à jour petit à petit. Sachez que le prochain épisode, c'est là où on va commencer le donjon, enfin le donjon, la tour du boss plutôt. On va tout mettre ça tout ça à jour. Par contre, j'ai mis toutes les baies là-bas. Alors que j'ai les crocs, c'est pas la meilleure des idées. Et du coup les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, c'est très important. Pour vous c'est rien, pour moi c'est énorme. Et c'est gratuit, n'oubliez surtout pas. Lâchez votre petit com et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss tout le monde.